en Do majeur. Ok. Ouais. Demain, Mi majeur. Ah bon. Oh, quoi? Do majeur, gamme de Ré pour les instruments. Je commence à apprendre la gamme de Do. Gamme de Ré, donc Ré majeur pour les instruments en bémol. Do majeur pour les C'est passé des choses quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que nous deux, avec la gamelle, on va à Lyon faire la manche, dans la place de la République. Là, dans la rue piétonne, on fait un carton. On fait des sous. Ouais, ouais, je pense. Aujourd'hui, les États-Unis. Ça y est. La grande époque de la Motown. Ah oui, définition de la Motown. La Motown, c'est une maison de disques qui a produit les plus grands rhythm and blues de l'histoire du rhythm and blues. Je citerai donc ma favorite, Aretha Franklin. Franklin, concurrent direct de Stax. Donc je vous propose sol mineur en ut, donc ce qui nous fait en la mineur en si bémol, une petite basse fort connue de la grande époque de la Motown.
la partie 3 harmonisée comme nous voulons de le faire. D'accord ? Donc là qui reste sur les mêmes notes. D'accord ? Oui, moi je vais rester sur les mêmes notes. Et on fait des petits solos. Voilà. Des solos, le thème du solo, c'est la quintessence du groove, le silence dans le groove. D'accord ? Ok ? Silence dans le groove. Voilà. Pourquoi jouer tant de notes alors qu'il suffit de jouer les plus belles ? Miles Davis, bravo. Donc, partie 1, partie 2. Voilà, partie 1, partie 2. Les références, okay. Moi. Partie 1, 1, 2, 3. La gamine, on serait déçus. C'est quand qu'on respire dans cette musique. Hein? C'est Michael Jackson. La respiration fait partie de la musique. Tiens, un petit accordeur, s'il vous plaît. Personne. Pierre, t'as le dit, non? J'en ai un, mais je préfère pas utiliser pour pas l'user. Tout dedans, le jazz, le groupe, la motone, c'est quoi. Ça, c'est un leader. Non, mais attends.